prenez, évitez cette habitude de jouer petit. Cette habitude vous appauvrit. Quatre habitudes qui vous appauvrissent et qui vous empêchent de lancer un business prospère grâce à la puissance du digital. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et surtout comment dépasser et remplacer ces habitudes pour réussir à votre tour. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une synthèse de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous aider ici à modifier ces habitudes, ces quatre habitudes lorsqu'il s'agit de lancer un business dans le coaching, dans la transformation, dans le consulting. Donc si c'est important pour vous de modifier ces habitudes qui vous appauvrissent pour les remplacer par des habitudes qui vous enrichissent. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et surtout pour recevoir la synthèse de cette vidéo format PDF, je vous donnerai les instructions à la fin de cette vidéo. La première des choses à comprendre, c'est que lorsque l'on fait régulièrement certaines habitudes dans le domaine de la transformation, dans le coaching, dans la formation, dans le consulting, dans l'expertise, on a ces habitudes qui nous éloignent de notre objectif. On a l'impression pourtant qu'elles nous aident, qu'elles nous servent, mais malheureusement, elles nous desservent. Et lorsqu'on cherche des solutions en se disant « mais qu'est-ce qui me manque pour atteindre mon but, mon objectif ?» Eh bien, on pointe tous les angles sauf sur ces habitudes. Et les habitudes, ce sont des schémas répétitifs, c'est ce qu'on répète systématiquement qui progressivement nous emmène dans une certaine direction. Et dans cette vidéo, je veux avec vous vous partager ces quatre habitudes à pouvoir modifier pour ne plus vous appauvrir et commencer à vous enrichir. La première habitude, c'est d'agir en fonction de vos confrères, de vos pairs ou même de vos collègues. Dans le domaine du business, bien souvent on prend des décisions. On pourrait prendre des décisions par rapport à ses clients, mais bien souvent on prend des décisions par rapport à ce que disent nos confrères, ce que pensent nos confrères, ce que vont dire ou penser les acteurs de notre marche. Imaginez dans le coaching, vous dites « mais tiens, moi j'ai une pratique qui est un peu différente, mais que diront mes confrères qui suivent cette norme, de cette méthodologie, de ce protocole qui est éprouvé, qui est reconnu ?» Si j'ose par exemple pratiquer des tarifs élevés lorsque je démarre mon activité de coaching ou dans le service, que vont dire les autres? Donc du coup, je ne le fais pas. Ou alors, si j'ose avoir un discours qui est trop direct, trop franc, que vont penser les autres? Et finalement, on prend des décisions stratégiques dans ses habitudes en fonction de nos frères, nos confrères plutôt, de nos pairs du métier, au lieu de faire quoi? De les prendre en fonction des clients. Modifiez cette habitude. À chaque fois que vous avez une décision à prendre, ce ne sont pas les frères ou les confrères qui vont finalement faire en sorte que votre business va tourner, sur lesquels vous aurez un impact réel. Ce sera simplement des échanges, de la communication, du voyeurisme et ça n'apporte pas grand-chose. Or, vos clients, c'est eux qui ont une souffrance que votre solution peut véritablement aider. Or, vos clients, ce sont eux qui seront prêts à investir de l'argent en échange de votre solution. Donc, lorsque vous prenez vos décisions, cette habitude est très fréquente, très régulière par rapport aux confrères ou aux pairs, aux acteurs du marché, aux collègues. Vous pouvez la modifier par « prendre mes décisions par rapport à mes clients ». Ça fera toute la différence pour vous. Vous verrez bout à bout, jour après jour, une décision après l'autre pour faire la différence et pour vous enrichir. La deuxième habitude, c'est croire aux normes, à toutes les normes de votre marché, de votre industrie et de vouloir surtout vous y accommoder. Lorsque je parle de normes, ce qui existe et ce qui semble normal, ce qui a été établi par une personne X à un moment donné, un groupe de personnes comme la norme. Exemple, il faut absolument avoir une certification avant de pouvoir exercer, pratiquer, coacher par exemple. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas pour être médecin par exemple, une profession où vous avez la vie entre vos doigts et qui nécessite d'avoir certaines expériences, un diplôme et ainsi de suite avant de le faire. Mais lorsqu'il s'agit d'aider les autres, réalisez ceci, vous le faites déjà naturellement probablement. Vous n'attendez pas d'aller dans une école et qu'on vous dise comment aider les gens si vous avez un domaine d'excellence. Et prenons un exemple, nos aïeux, ceux qui nous ont précédés bien avant, il y a 100 ans, il y a 200 ans, pendant 200-300 ans, où ils n'avaient pas le mot, le même vocabulaire que nous, ils n'avaient pas ces normes, ils n'avaient pas ces codes, ces diplômes, ces écoles, ces académies qui existent aujourd'hui. Comment faisaient-ils? Pensez-vous qu'ils n'aidaient pas les autres? Lorsqu'une personne avait une douleur, une problématique, comment faisaient-ils? Ils le faisaient quand même, parce qu'en fait, les normes, ce sont des personnes qui à un moment les décident et les mettent en place. Si vous avez l'habitude de toujours suivre les normes, vous attendez, vous jouez trop petit. Vous attendez peut-être d'avoir cette certification, ce diplôme, ou vous attendez d'avoir absolument l'autorisation des autres pour pouvoir faire les choses. Et la nouvelle habitude à installer, c'est de vous dire « ok, il y a des normes, mais si jamais cette norme m'empêche, me ralentit, me freine, il faut que je crée une nouvelle norme. » C'est-à-dire, imaginez si aujourd'hui vous êtes à un stade où le revenu normal, c'est 3000 euros par exemple par mois ou 5000 euros par mois. Eh bien, au lieu de vous conformer à cette norme, bousculez cette norme, créez une nouvelle norme qui fera que votre base sera peut-être à 10 000 euros par mois, ensuite à 20 000 euros.
20 000 euros par mois et peut-être même à 100 000 euros par mois et au-delà. Pourquoi ? Ben c'est très simple. Réaliser qu'il y a des personnes qui, comme vous, sont dans la même profession, la même activité et qui touchent, qui gèrent ce type de revenus. La seule différence, c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont pas la même norme. Et pourtant, ce qui pour eux est la norme aujourd'hui, ils risquent encore de la bousculer s'ils suivent cette nouvelle habitude que je vous partage. C'est toujours remettre en cause et de bousculer ces normes pour les changer et pour progresser en permanence. La troisième habitude qui vous appauvrit, c'est d'accepter de vouloir jouer trop petit. D'accepter de vouloir jouer trop petit. Nous sommes dans une société dans laquelle nous avons appris souvent de dire ne rêve pas trop grand, ne rêve pas trop haut en couleur, ne regarde pas cette vie, c'est pour les autres par exemple. Ou qui es-tu pour pouvoir prétendre avoir telle vie, telle situation financière ? Et à force d'entendre ça depuis toujours, on finit par jouer trop petit. On prend l'habitude de jouer trop petit. Or, nous n'avons qu'une vie, une existence dans laquelle on a un temps qui est imparti et à un moment donné, ce temps sera écoulé. Et pendant qu'on est là, pourquoi jouer petit lorsqu'on peut jouer grand ? Je ne dis pas jouer grand en se faisant mal, en souffrant, en étant désaligné. Non, en jouant grand parce qu'on en a le potentiel. Si vous avez le potentiel de jouer grand, prenez, évitez cette habitude de jouer petit. Cette habitude vous appauvrit parce qu'elle rejoint les autres. On reste dans la norme, on joue beaucoup trop petit. Lorsque vous comprenez que vous pouvez comme ça changer la norme, vous pouvez commencer à jouer grand. Tout ce qui est trop petit, vous l'explosez. Vous commencez à voir les choses en grand. Vous voulez jouer à un niveau local ? Pensez à un niveau international, niveau mondial. Vous pensez être juste le meilleur de votre quartier ? Pensez être le meilleur dans le monde, dans votre discipline. Et travaillez comme ça chaque jour pour être meilleur. Et vous verrez que la nouvelle habitude que vous mettrez en place vous aidera comme ça à devenir la personne que vous rêvez de devenir, à devenir l'entrepreneur que vous êtes déjà au fond de vous, mais qui au lieu de rêver et de voir petit, commence à voir grand, commence à vivre une vie haute en couleur. Quatrième mauvaise habitude qui vous appauvrit, c'est de tout concentrer sur vous et tout centrer sur vous. Là, ce que je dis, vous centrer sur vous, ça veut dire qu'on pense au message, votre message marketing, votre communication probablement aujourd'hui, si vous n'êtes pas là où vous souhaitez être, elle est centrée sur vous. Peut-être que votre branding, votre entreprise, l'image, le logo, vous pensez à carte de visite, à comment je vais être, comment tout ce qui tourne autour de votre entreprise. Je vais même plus loin. On a souvent des coachs, des formateurs, des consultants, des experts touchés par le syndrome de l'imposteur. Et une fois de plus, lorsqu'on souffre du syndrome de l'imposteur, on a la responsabilité d'en sortir parce que c'est une vraie souffrance. Mais une fois de plus, une des techniques et astuces pour en sortir, c'est de ne plus tout centrer sur soi-même. Et la solution, c'est quoi ? La nouvelle habitude, c'est de centrer le client, mettre toute l'attention sur le client, de mettre le client au centre, le centre d'attention pour votre message. C'est plus sur vous. Nous sommes l'entreprise qui avons pignon sur rue, on existe depuis 1000 ans. Non, mon client, voici sa problématique et la solution. Ensuite, votre branding, votre entreprise, tous les logos, la lumière, tout ça c'est bien, mais c'est secondaire. Ça vient après. Votre client au centre. Ensuite, après, votre syndrome de l'imposteur lorsqu'il nous touche. Oui, certes, il nous touche. Mais lorsque l'on met le client au centre, il ne s'agit plus de nous, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas. C'est le client au centre. Et quand on met l'attention sur le client, on pense moins à notre problématique, au point qui nous dérange. Et lorsqu'on fait ça, pour la partie communication, business, transformation, on fait la différence pour nos clients. Cette habitude nous enrichit parce que dès que vous faites quelque chose pour les autres, automatiquement, comme un effet de boomerang, ça revient sur vous. Vous êtes plus heureux, vous vous sentez plus aligné, vous vous sentez utile et vous grandissez. Ça, c'est donc la quatrième habitude qui vous appauvrit et lorsque vous la changez, vous pouvez vous enrichir. Et puis enfin, cinquième habitude qui vous appauvrit, c'est de vouloir tout faire tout seul. De chercher à tout faire tout seul et de vous débrouiller. Parce qu'intellectuellement parlant, c'est pas si compliqué. On peut tout apprendre. Je peux apprendre à créer mes pages internet seul. Parce que intellectuellement parlant, c'est pas trop compliqué. Quand je regarde des tutos, finalement, j'apprends. Je peux décider de vouloir tout faire tout seul dans mon équipe, sans équipe, par exemple, de travailler seul, au lieu de m'entourer d'alliés. Et en fait, cette habitude, comme ça, progressivement, jour après jour, vous éloigne de la vraie chose. Délivrez les choses pour lesquelles vous êtes fait, d'aider les gens, servir vos clients dans votre zone de génie. Au lieu de devenir un technicien, par exemple, vous pourriez simplement servir vos clients, vos produits, vos services, votre solution. L'améliorer jour après jour, construire une qualité de vie autour de la réussite de votre business, ça demande déjà du temps. Et si vous êtes occupé à vouloir tout faire tout seul, tout prend toujours plus de temps avant d'arriver à bon port, avant que ce soit réalisé. Prenez la nouvelle habitude de vous faire entourer d'alliés. Entourez-vous d'alliés pour aller plus vite, plus rapidement. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient faire, qui vous prend 3 semaines à faire, pourraient le faire en 3 heures. Et le faire avec plaisir lorsque vous le faites avec une contrainte absolue. Entourez-vous d'alliés, soyez coaché, faites-vous encadrer, entourez-vous, créez une équipe.
progressivement. Mais prenez l'habitude de savoir que seul, certes, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 4 habitudes à pouvoir modifier. Ce sont des habitudes qui vous appauvrissent pour vous permettre de vous enrichir en les remplaçant. La première, c'est agir en fonction de vos confrères, de vos collègues. La deuxième, c'est de suivre les normes et de s'y accommoder absolument. La troisième, c'est vouloir accepter de jouer trop petit. La quatrième, c'est de vouloir tout centrer sur vous-même. Et puis enfin, la cinquième, c'est de vouloir tout faire tout seul. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir modifier ses habitudes. Mais le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez modifier ses habitudes pour en installer de nouvelles, développer et lancer un business pour ne plus tout faire tout seul, mais de savoir comment utiliser des systèmes simplifiés qui fonctionnent en interne, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre le modèle complet de notre business de transformation pour pouvoir appliquer les nouvelles habitudes que je vous ai partagées dans cette vidéo, les voir mises en pratique et de pouvoir modéliser et gagner beaucoup de temps. Le lien est en description. Il suffit de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir l'invitation pour pouvoir télécharger la version PDF, la synthèse de cette vidéo, laissez au bas de cette vidéo le mot habitude. Un membre de mon équipe ou moi-même allons vous dire exactement comment vous pourrez télécharger votre synthèse au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me remercier, m'encourager encore à vous partager des conseils stratégiques de cette façon-ci, pensez à liker cette vidéo, le pouce vers le haut, comme ça, c'est au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Activez la petite cloche pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire, dites-moi parmi ces 4 ou 5 habitudes plutôt, quelle est celle que vous avez trouvée la plus pertinente à changer maintenant, à remplacer, celle qui vous appauvrit le plus, que vous voulez absolument changer et remplacer. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant sur cet écran. C'est Zico Kiax. À très bientôt. Merci. We'll be right back.